Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée à la pleine lune en sagittaire. Alors, cette pleine lune en sagittaire, elle met en lumière plein, plein, plein de choses. Déjà, elle arrive avec donc, son opposé, le Soleil, dans le signe des Gémeaux. On a Jupiter qui termine son transit en Taureau. Donc il est à 29 ⁇ 25 degrés au moment de la pleine lune. Et le 25 mai, il passera dans le signe des Gémeaux pour s'y installer pendant un petit moment. On a donc Vénus qui est arrivée entre-temps en Gémeaux. Mercure en Taureau. Mars en Bélier avec le Nœud Nord et Chiron. Donc on a une, une espèce de... Comment dire, d'un tiraillement, parce que Mars en bélier, lui, va nous inviter à poser un cadre, à s'affirmer, quitte à heurter parfois ou brusquer euh, avec le nœud nord et Chiron, hein. Chiron qui est en train de guérir, c'est le guérisseur, c'est celui qui va apporter des clés, donc le nœud nord, lui, qui nous invite à affirmer notre individualité, puisque c'est en bélier, et Mercure en taureau, lui qui va vouloir être pondéré, qui va vouloir être placide et observer avant de réagir, estimer, parce que taureau c'est de l'estimation, c'est voilà j'ai envie d'être en sécurité si on me bouscule alors que ça n'en vaut pas la peine, c'est parce que je l'ai estimé et en fait euh, je calcule même pas finalement, calculer dans le sens je donne même pas d'importance parce que j'ai estimé que ça n'en valait pas la peine, donc on a des énergies assez euh, tiraillantes néanmoins qui sont poussées vers... La rapidité. Le Jupiter en, en taureau nous a invités à placer nos billes, à vraiment réfléchir, poser, construire, stabiliser. Le taureau, c'est le signe de la sécurité, de la stabilité, avec les autres signes de terre, bien sûr. Mais lui, il est pragmatique, il va calculer, il va estimer, il va jauger et il va dire, OK, est-ce que ça contribue à ma sécurité Oui, non. Donc il a amplifié tout ça. Euh, il y a pu avoir des questions, notamment au niveau euh, sécuritaire et... Euh, au niveau de l'argent, voilà ce qu'on a envie d'apporter comme valeur. Vénus est passée en taureau le mois dernier, donc euh, elle aussi a apporté, à contribuer justement à amplifier cette, euh, cette envie de quelque chose de beau, cette envie de quelque chose de, euh, de, de pur, de sain. Et cette pleine lune en Sagittaire, elle va montrer avec, enfin pas conjointement, mais en opposé, le soleil en gémeaux, tout ce qu'on peut outrepasser, transcender, par rapport aux énergies actuelles, par rapport aux placements habituels, hein, et surtout aux patterns, aux cycles répétitifs, etc. Sauf qu'on a un petit challenge collectif en ce moment. C'est l'énergie du soleil qui est amplifiée euh, avec des tempêtes solaires qui ont été mesurées. Ça ne vous a pas échappé, il y a eu des aurores boréales. Euh, là, en Espagne et au Portugal, j'ai vu les vidéos il y a une météorite, mais d'une beauté qui est passée, qui a illuminé le ciel. Donc, on a effectivement un cosmos en ce moment qui travaille fort et qui envoie donc, ces énergies à la Terre. Et ces tempêtes solaires qui sont de plus en plus fortes, hein. ça fait deux mois que j'en parle sur le site Patreon, mais là aujourd'hui, on peut ressentir certains symptômes. Alors vous allez vous reconnaître si vous avez des maux de tête amplifiés ou qui ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, tous les jours vous avez un mal de crâne ou des migraines très fortes hein, qui peuvent être très violentes, un changement de rythme, notamment au niveau de l'appétit. Euh, des symptômes au niveau aussi euh, des courbatures, comme, comme si vous aviez la grippe ou le Covid, hein, euh, des nausées, des sentiments de déjà-vu, des interruptions de sommeil entre 2 et 4 heures du matin, impossibilité de se recoucher après. Euh, les yeux qui brûlent, des acouphènes, des éruptions cuta cutanées. Ça m'est arrivé hier hein, au niveau de la main ici. Et, euh, et en fait, je, je suis tombée sur un poste qui expliquait ce que ça pouvait faire au niveau de l'ADN, donc ces tempêtes solaires, et qu'elles sont en train de modifier la mémoire ADN. Donc, poser des intentions avant de vous coucher, ça c'est un, un conseil que je vous donne. Donc, on pourrait avoir des phases soudaines d'anxiété, de la déshydratation de l'indigestion, des reflux gastriques ou de l'acidité qui remonte et des insomnies sur plusieurs jours consécutifs. Voilà, donc au niveau, euh, on va observer tout ça, on va expandre un petit peu sa conscience de soi puisque Jupiter arrive en Gémeaux, on va réfléchir différemment, on va élargir sa vision, on va élargir sa pensée, on va élargir sa curiosité. Et une lune en Sagittaire, alors elle peut vouloir dire aussi qu'émotionnellement, on va trier très vite. Et on va décider, on va observer, tiens, hein, j'ai une émotion là, ok, hein, euh, lune en sagittaire. Euh, pourquoi je ressens ça Qu'est-ce que ça me fait, tiens Oh bah en fait je m'en fous <laughs> Allez, je jette Voilà, c'est ça une lune en sagittaire. Donc si vous avez votre lune en sagittaire, vous pourriez vous reconnaître aussi. On va maintenant étudier ce que nous disent les cartes. Voilà pour les petits, euh, la petite introduction astrale. Maintenant, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Elles nous parlent de loi d'attraction. Très bien. Déesse intérieure. Ouh. Alors, on va euh, effectivement avoir une vision de soi, une connaissance de soi, parce que la loi d'attraction, alors qui fait partie des autres lois de l'univers, euh, fait partie d'un tout, et notamment la conscience de soi, la conscience de l'énergie dans laquelle on est, des vibrations dans lesquelles nous sommes. Là, on a donc loi d'attraction et créativité. Je pense que cette pleine lune en, en Sagittaire, elle va être. Euh, Comment dire Très, euh, très espiègle. Je la vois vraiment comme un valet de bâton qui va dire tiens, je vais essayer ça. OK, tiens, je vais me montrer créatif. Tiens, et si, euh, voilà, par exemple, euh, faites la vaisselle, les bras croisés ou alors euh, la, les yeux fermés. Voilà, euh, j'ai conseillé à quelqu'un de, de prendre une douche, en se, se rase, de se raser en prenant sa douche. Dans le noir. Et je lui ai dit voilà, s'il euh, faut pas le faire non plus à certaines zones, hein, parce que sinon tu risquerais d'être trouvé par les pompiers, ce serait dommage. Donc voilà, c'est un conseil à la con, hein, oubliez-le. Mais ça peut être justement ce type de créativité, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de, de marrant, de nouveau, euh, un peu, euh, je ne vais pas dire débile, parce que ce serait décrédibiliser justement l'énergie de joie, l'énergie d'impétuosité, de, de, l'énergie de, de curiosité, d'innocence aussi, hein, parce que la maison 5 va représenter l'enfant intérieur, va représenter aussi la personnalité, la créativité, c'est la maison du lion. Et on a envie de briller, on n'a plus envie de se tasser, de se, de se rendre invisible, de se mettre sur le côté. Euh, derrière la carte de la loi d'attraction, on avait la déesse intérieure, donc c'est vraiment euh, utiliser son corps comme un temple, utiliser son intériorité comme connaissance de soi. Euh, je suis tombée sur une vidéo de Fabrice Luchini qui citait Nietzsche et qui disait, voilà, il y a un moment donné où si on ne se connaît pas, à travers les autres, on n'aura qu'une faible projection de soi-même, on n'aura même pas le manuel utilisateur, donc à quoi bon essayer de nouer des relations On sera juste des spectateurs, on se regardera, salut, comment vas-tu Et fi au final, il n'y aura pas de profondeur. Donc là, on en est arrivé à un point avec ce nonorant bélier qui est en transit depuis juillet 2023, où on a envie, justement, de s'exprimer, d'être soi, d'être, tout simplement, d'exister. Voilà, donc, euh, ce qu'on travaille aujourd'hui est très très fort au niveau collectif, au niveau individuel aussi, puisque le nœud sud est en balance, donc on revisite ces relations depuis un petit moment. Vénus, qui a rétrogradé, euh, c'était au mois d'août, il me semble, qui a terminé sa rétrogradation au mois de septembre, qui ne rétrogradera pas. En 2024, notion très importante, nous inviter à revoir un petit peu les bases et surtout ne plus se contenter d'un pis-aller, de quelque chose de médiocre. Euh, voilà, parce qu'on a envie de quelque chose de, de plus profond, de plus beau, de plus joli. De plus, enfin, beau et joli, euh, c'est pas forcément la même chose. On a envie de quelque chose de plus sincère, de plus authentique. Voilà, il y a quelque chose. Euh, qu'on est en train de, de transmuter, de transformer. Je ne serais pas étonnée qu'on ait là la, l'arcane sans nom, parce que cette pleine lune, elle va mettre un coup de projecteur sur tout ce qui nous reste à faire, tout ce qui nous reste à transcender, mais aussi de conscientiser qu'on peut aller encore plus loin dans notre ambition. Je vais prendre lui, j'ai envie de travailler avec lui en ce moment, c'est par période. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici On a l'envol. Regardez bien ce qui se passe dans la dynamique ici on a une personne qui était enfermée qui était emprisonnée ça peut être des schémas répétitifs ça peut être dans des relations qui ne sont plus satisfaisantes justement quand on a par exemple une solitude exacerbée un pattern d'enfant intérieur familial dans les dynamiques relationnelles qui est erroné en fait on va aller s'enfermer dans des relations par peur que celle-ci s'échappe. Euh, quand on a un minimum d'attention d'une personne, on va se sentir valorisé, mais si elle ne nous en donne plus, ben on se sent comme une euh, MERDE. -E. Et euh, ici, euh, on, on a placé beaucoup d'espoir dans des relations qui pouvaient être à la mesure de ce qu'on pensait pouvoir mériter. Mais comme on a travaillé le mérite entre-temps, eh forcément, il a fallu se libérer. Donc il a fallu conscientiser que donner la clé de son bonheur dans... Euh, en, en pouvoir, enfin euh, comment dire, euh, dans les mains de quelqu'un, c'est-à-dire voilà, il, il te revient à toi en responsabilité de me rendre heureuse, heureux, et eh bien ça n'a pas fonctionné. Donc là, on a Taureau Vénus, donc on a Vénu euh, Taureau Balance pardon, petit lapsus, donc Vénus et Vénus. Et je parlais de Vénus qui ne rétrogradera pas en 2024. Donc la dernière rétrogradation c'était en août-septembre 2023, et forcément. Il y a eu une conscientisation de la beauté, du mérite, euh, de ce qu'on a envie de, de, de sécuriser aussi. Et là, on a pris sa liberté, on a repris sa liberté. Donc là, ici, on a euh, euh, Vénus, justement, et Uranus. Donc apporter de la nouveauté dans la dynamique relationnelle, s'échapper, s'évader de ce qui ne nous correspond plus. Voilà, ça, c'est votre état d'esprit à l'heure actuelle avec cette pleine lune. Maintenant... Ce qui va vous aider ou ce qui invalide votre progression. Alors, déjà dans le dos de deck, on a le mariage. On va découvrir ici. Eh bien, on a l'impératrice. Enfin, oh, on a un roi et une reine. Alors, on a une reine déjà établie. C'est ce que je, je perçois là. Donc, une reine déjà établie et un roi en préparation qui a peut-être besoin d'aide, qui s'entraîne. Se, qui Hein, cette carte s'appelle l'acteur, donc c'est vraiment la répétition, euh, apprendre un texte par cœur ou incarner un rôle. Donc là, on a euh, aussi cette, cette reine qui estime, qui évalue, qui regarde. Euh, il y a beaucoup de chakras solaires ici. Hein. Et euh, voilà, c'est euh, je vais jauger, je vais observer. Est-ce que euh, m'unir avec cette personne est en corrélation? Est-ce que euh, est en corrélation avec l'ambition que je me suis euh, Comment dire que je me suis envoyé en fait. Voilà, quand je me jette dans un projet, euh, c'est pas pour abandonner, c'est pas pour que ce soit euh, tiède, médiocre. Euh, non, j'ai pas investi tout mon temps à me libérer d'une cage pour ensuite aller vers un, un j'allais dire un Gourgandin. Non, en fait, c'était Guignol euh, ou une Guignol. Hein, vous transposez bien sûr à votre situation. Donc là, aujourd'hui, je pense que vous vous êtes dans une stabilité aussi émotionnelle. J'y vois une stabilité. Vous êtes bien dans votre, dans vos baskets. Euh, vous êtes dans la patience. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas bouger. Moi, je vois quelqu'un qui arrive vers vous avec un texte préparé, euh, qui a rédigé plusieurs fois son message, qui a demandé conseil. Euh, à ses potines euh, ou ses, ses potes en disant euh, Tu crois que ça, ça va aller Tu crois que machin Tu crois que. Voilà. Donc, il a demandé carrément à une euh, intelligence artificielle Vas-y, euh, euh, fais-moi un message de déclaration d'amour. Voilà. Euh, parce que la personne, elle cherche l'inspiration. On a lion, on a Gémeaux. Donc, elle veut passer à l'action. Ici, on a lion, on a Taureau. Donc, il y a une notion de entre mai et août. Moi, j'y vois euh, vraiment une période. Euh, L'envol qu'on a pris entre. Et c'est pas déconnant entre euh, octobre et février avec euh, l'énergie euh, Balance et verso, il y a eu aussi des transits assez importants. Hein. En Balance, on a le no Sud et en verso, on a Ur euh, pas Uranus pardon, Pluton qui est arrivé. Le 20 janvier, et qui a bousculé la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on veut plus des plaisantins dans notre vie. On veut plus des personnes qui nous traitent comme des guignols, d'ailleurs, ou qui nous traitent comme un paillasson. C'est-à-dire, je m'essuie sur toi quand j'en ai besoin, mais sinon, le reste de la journée, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, ça, c'est terminé. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de porteur. Avec l'énergie du taureau hein, qui est ressortie ici, on veut de la longévité. On veut quelque chose de stable. C'est pas pour euh, se sentir mal un coup sur deux. C'est pas pour être dans une relation on-off où la personne, elle vient, elle part, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Non, il y a un moment donné où stop, c'est bon. Stop right now. Thank you very much. Comme chantaient les Spice Girls sur, euh, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième album. Alors, on a l'énergie du bélier. Encore euh, Taureau et Gémeaux. On a Mars en bélier, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mars en bélier avec le nord et Chiron. Donc là, on est. Euh, alors. Ici, je sens euh, ce, ce côté combatif, ce côté euh, gladiator, en fait, ce côté, euh, j'irai jusqu'au bout. Bon, gladiator, c'était une vengeance, mais là, il y a l'idée de prendre une revanche un petit peu sur euh, le, la passivité dont on a fait preuve, la victimisation, parfois, qu'on a pu prendre dans le rôle, dans la dynamique de rôle euh, interrelationnel. Euh, aussi, euh, une volonté de couper avec des liens qu'on a pu créer dès que vous échangez avec quelqu'un, il y a un fil qui se tisse entre enfin déjà il y a des fils qui se tissent, c'est euh, voilà les, les connexions, on est tous liés les uns aux autres. Quand vous parlez de quelqu'un, votre subconscience qu'il entend c'est une émotion, une vibration. Il va pas analyser votre discours en disant ouais non c'est vrai t'as raison euh, Valoche de la Compta euh, moi j'ai pas trop apprécié comment elle a parlé en réunion il va dire il va ressentir l'émotion donc la colère et il va l'associer à vous donc c'est finalement pour ça que euh, critiquer les uns les autres là je pense qu'il y a des échanges mais attention à ce que vous dites des autres parce que le subconscient lui il ne va que Résumer, enfin comment dire il va ressentir votre émotion donc si vous êtes contrarié en fait finalement c'est pas la personne qui le sera c'est pour ça que la blessure d'injustice vous pouvez la régler juste en conscientisant que en parlant de quelqu'un en parlant d'une situation vous êtes en train de lui donner de l'énergie vous êtes en train de l'amplifier donc le fil devient euh, on va dire un un mini câble d'écouteur. Voilà, c'est un fil de couture, puis ça devient un câble d'écouteur, puis ça devient ensuite un câble de, je ne sais pas moi, de, de voiture, puis ensuite ça devient un câble de pont. Vous voyez, pont de San Francisco, imaginez le câble que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Donc on est tous câblés les uns aux autres, sauf que quand on dit j'ai pété un câble, en fait on est en train de dire. Euh, parce qu'il y a quand même une. J'ai une petite alerte hein, dessus. Je ne serais pas étonnée qu'on ait, euh, par exemple, du du cavalier d'épée qui a envie de régler les comptes, qui a envie de... de... Non, de régler des comptes, voilà. Parce qu'il y a une expression qui est un petit peu plus forte, voilà, mais c'est euh, ⁇ j'ai envie de tout, tout, voilà. Je vais tout casser de Daniel Baffois. Donc, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, l'heure est à se libérer aussi, parce qu'avec balance, verso, gémeaux, attention à la parole, gémeaux encore, bélier, bélier, ça veut s'exprimer. Sauf que là on a Mercure en taureau qui va nous dire attends, 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 calme. Voilà. Le taureau, je le vois comme l'animal le plus stable euh, de la, on va dire, du, du panel d'animaux. Euh, lui, il peut être... Il euh, y, y a des taureaux en plus euh, à côté de chez mes parents, il y a un champ avec des, des, des taureaux. Et en fait, qui pleuve, qui vendent, qui neige, ils sont là, ils font leur truc, et euh, bah, on a vraiment l'impression qu'ils sont euh, placides et stoïques. Vraiment, hein. donc l'idée, ça va être de ne pas tout de suite réagir parce que vous êtes en train de dire à votre subconscient, vas-y donne de la force à ça, à ce que m'a dit Valoche de la Conta, à ce que m'a dit ma mère, à ce que m'a dit mon père, à ce que m'a dit ma frère, et mes soeurs oh oh oh. et voilà. Et en fait, l'idée, ça va être de stopper la dynamique pour incarner. Ce qui va vous aider, c'est dans la préparation. Alors ça peut être vous, ça peut être un, deux personnes, euh, voilà, quelqu'un en face de vous, mais j'y vois aussi vous-même avec vous-même. C'est-à-dire, ok, comment réagirait euh, une personne, euh, voilà. Euh, on les voit hein, des fois les... Il euh, y a des vidéos comme ça d'assertivité. Euh, C'était une, une vidéo sur... Euh, je ne connais pas la série, je ne l'ai pas regardée, je l'ai vu passer sur Netflix. Alors c'est avec Theo James, euh, celui qui a joué dans euh, Divergente, euh, qui a joué aussi dans White Lotus, la saison 2, et euh, celle qui joue Effie dans Skins. Euh, alors son, son nom va me revenir. Et en fait c'est une série, je crois que c'est euh, Gentleman, il euh, y a Gentleman dedans. Et en fait il y avait une étude sur son personnage qui écoutait, hochait la tête, mais il attendait que la personne ait fini de parler pour lui exprimer. Et euh, justement, cette, ce côté observateur, ce côté silencieux, en hochant la tête, en montrant une écoute active, ça lui conférait plus de charisme que s'il avait envie de, de tout de suite interrompre, non, mais t'as tort, etc. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train, je pense, hein, collectivement, de travailler, c'est-à-dire de poser un cadre et de s'affirmer tout en n'étant pas dans cette agressivité. Donc là, ça pourrait ressortir. Pour moi, il y a des situations qui vont ressortir, qui vont vous permettre de travailler ça. En tout cas, cette pleine lune, elle va mettre en lumière comment vous pouvez faire pour transcender une situation. Quelqu'un qui vient pli empiéter sur vos plates bandes, euh, qui vient outrepasser le cadre que vous posez, c'est-à-dire le respect de vous-même. Une personne qui va dire, bah moi je pense que tu devrais. Mm -hmm. D'accord. Ah, c'est intéressant ce que tu penses. Laissez-la terminer. Hein, vous pouvez, euh, si vous n'avez pas envie d'être, euh, comment dire, euh, imprégnée ou éclaboussée, vous voyez, c'est vraiment comme si elle vous jetait des, de, de l'eau. En fait, visualisez que vous avez un parapluie et quand elle parle, vous déployez le parapluie et vous avez une protection ou alors une bulle de protection. Hein, en méditation, vous les visualisez. Euh, ça peut être aussi, euh, moi, je visualise une cascade d'eau. Ou alors, je chante la Marseillaise dans ma tête quand quelqu'un me parle et qu'elle euh, a envie de se mesurer ou de. Comment dire euh, Ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'hier une personne qui euh, m'a fait une analyse que je n'ai pas demandé sur un truc que j'ai dit. J'étais à mes What the fuck en fait. Enfin, vraiment, c'était euh, comment dire déplacé. Euh, malvenue et euh, complètement hors de propos en fait et donc je lui ai dit bah, je ne me souviens pas avoir demandé une analyse donc la réponse de la personne a été très simple elle m'a bloqué elle m'a punie de sa présence mais moi je me suis dit ben très bien, ça fait de la place pour quelque chose de meilleur puisque euh, c'est comme si, euh, alors je vais le dire, hein, les poubelles se sortent d'elles-mêmes. Donc j'ai pas à me salir les mains, j'ai pas à m'en occuper, à m'en charger. Je vais plutôt déplacer mon énergie vers quelque chose. Euh, ben j'ai fait le ménage, j'ai fait mes trucs et j'étais super contente de moi, en me disant ouais, j'ai été super rapide, c'est cool. Voilà. Donc ce qui pouvait vous atteindre avant va être remis en lumière. C'est pas un test, ne le voyez pas. Comme un schéma répétitif, vous voyez plutôt comme le moyen de, comment dire, d'exprimer votre, votre assertivité, votre individualité, votre, comment dire, votre rage de vivre, mais différemment. Voilà. Euh, avant, vous auriez pu dire Ouais, mais pour qui tu te prends etc. Là, vous allez dire mm -hmm, J'entends ce que tu dis, mais tu te réfères à quoi exactement tu, tu te réfères à ce que tu connais de toi ou ce que tu connais de moi Parce que j'évolue, tu évolues aussi. Donc l'impermanence hein, fait qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et quand tu établis de moi que j'ai une certaine personnalité, en fait, tu me condamnes à être ce genre de personne. Or, j'ai plein de qualités, j'ai plein de... Voilà. Et si vous n'avez pas envie de vous justifier, si vous voulez montrer à la personne qu'elle doit rester, euh, ben voilà, qui a, qu a un cadre, c'est-à-dire une frontière à ne pas dépasser, vous pouvez lui dire, ah, je ne me souviens pas avoir demandé une analyse. Ou tu veux te lancer dans des études de psy et tu fais une étude de cas sur moi, vous allez voir, elle va très vite comprendre, euh, euh, on va dire, le, le, le propos et l'intention. Voilà. Euh, parce que si vous dites, ah, pour qui tu te prends C'est vous qui passez pour la victime, qui est dans l'agressivité. Qui... Et finalement, ça, ça ne fait que gratter la blessure d'injustice. Vous voyez Donc, euh, les liens. Ah, regardez, c'est très intéressant. Les liens, notamment amoureux amicaux et familiaux, vont être particulièrement euh, mis en lumière. Je ne vais pas dire tester ou challenger, mais pour moi, ça va être mis en lumière. Regardez ce qui est resté dans le paquet, voilà, et ce qui est tombé, c'est on veut quelque chose de simple, voilà, on veut quelque chose... Euh, euh, moi, des fois, j'aimerais avoir le cuit d'une chèvre, voilà, et de brouter toute la journée de l'herbe et de pas me prendre la tête, d'ailleurs la chèvre de mon voisin, la dernière fois, je lui ai dit allez viens, et elle est venue, et ensuite on a couru, enfin j'ai couru, elle a couru et tout, mon père était mort de rire et je lui ai dit, tu vois, c'est simple j'avais un fou rire, mais alors d'une, ouais, d'une pureté en fait c'est un moment euh, un moment euh, pur quoi un, un, un moment euh, produit laitier, des sensations pures, parce que c'était quelque chose de simple voilà euh, là c'est ce qu'on veut partager des moments joyeux on n'a plus envie de se prendre le crâne à expliquer aux autres oui mais tu comprends quand machin moi je ressens ça non il y a un moment donné où c'est bon ok euh, j'aime beaucoup ce tirage ah oui bah oui on a Saturne qui a donné la leçon hein. alors dans ici dans la synthèse vous êtes en train d'intégrer une nouvelle sagesse, une nouvelle conscientisation des choses. Le temps a fait son œuvre, hein, c'est ce que j'entends. Et surtout, voilà, regardez derrière ce qu'on a. Mmh. Donc on sait euh, Voilà, on a été euh, peut-être euh, un peu comme Icar, séduit par euh, certaines propositions. Euh, quand quelqu'un est charismatique, on est attiré vers cette personne. On peut ignorer les red flags internes, c'est-à-dire les drapeaux rouges qui se déploient en nous. Et. Là, il y a une sensation. Vous voyez cette, euh, cette rose Je pense que c'est une rose. Vous voyez des épines. Euh, oui, donc euh, une rose noire. Et là, on se repose. C'est Aurora. Hein. C'est vraiment. Euh, euh, D'ailleurs, dans le film avec euh, Jennifer Lawrence, euh, euh, le film, c'est The Passengers. Quand ils sont dans le cosmos, là, avec euh, celui qui joue dans euh, Les Gardiens de la Galaxie. Enfin, il joue dans autre chose. Hein. Il joue dans Jurassic Park, euh, nouvelle édition. En fait, elle s'appelle Aurora, c'est-à-dire l'aurore, le sommeil, et aussi euh, voilà, ce côté, euh, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me, me reposer. Donc là, on s'est, je pense, aussi suffisamment reposé. Euh, on a pu éteindre aussi le feu destructeur de ce, de ce type de relation. Alors, elles ne sont pas toxiques, c'est la dynamique, et c'est le rôle qu'on attribue aux autres, de leur donner du pouvoir, de leur donner du pouvoir de nous faire du mal, euh, parce qu'en fait, quand on donne... la responsabilité à quelqu'un. De devoir nous rendre heureux, heureuses, on lui donne la possibilité aussi de fuir, donc de nous faire du mal, parce que ce n'est pas intrinsèque, c'est pas intérieur à nous, c'est extérieur, on le déplace à l'extérieur, donc on va être spectateur de sa vie et on va être dans l'attente aussi. Donc il y a eu peut-être de l'attente. Moi je sens qu'il y a un, un coup de boost, le temps a fait son œuvre, euh, la leçon est passée, j'entends, avec Capricorne et fin, surtout Saturne. Hein. Euh, regardez cette érudit. Donc, on fait preuve de plus de sagesse, d'assertivité, d'observation. On n'est plus dans ce conflit permanent avec les autres. Ouais, mais tu te rends compte, nanani, nanana. Là, on va dire, ok, ok, ok. Euh, moi, par exemple, quand quelqu'un veut. Euh, comment dire veut placer son énergie, et pas la bonne, hein, en me disant, ouais, nanani, nanana, nanana, elle va juste euh, voir que dans mon langage corporel, je vais créer une protection. C'est-à-dire que je vais croiser mes bras et je vais commencer à tourner mon corps. C'est euh, des fois, euh, je le fais euh, sciemment, hein, euh, mais des fois c'est inconscient. Et je vais placer mon corps vers la sortie. Je vais commencer à regarder ma montre et lui signifier que mon temps est précieux. Que elle commence, euh, que j'ai envie de me diriger vers la sortie, c'est-à-dire de sortir de cette situation. Et si elle me dit, bah, dis-le dis si je te dérange. Bah en fait, là quand tu déploies, quand tu déverses tes poubelles dans mon espace intérieur, parce que moi je t'écoute, en fait j'entends ce que tu dis, je le ressens, je peux visualiser la scène et donc je vais le ressentir. Mon subconscient va croire que ça m'est arrivé et j'ai pas envie que ce genre de choses arrive. Donc maintenant tu tu peux l'écrire sur papier, d'accord Tu vas le, le déverser quelque part, mais ensuite tu déchires le papier, tu vas le brûler euh, au bout de ton chemin, euh, dans la rue, hein, pour pas créer un feu de forêt, ou dans une, dans une casserole, un hein, fait tout, et ensuite, euh, voilà, comme ça, tu disperses ces cendres et tu t'en débarrasses. Et quand tu choisis de me parler, tu choisis, de tu sélectionnes ce que tu veux me dire. Par exemple, la dernière expo que tu as faite, voilà, qui pourrait m'intéresser. Si on partage des, des choses en commun, euh, quelque chose de joli qui t'est arrivé. Hein voilà, cette chèvre qui m'a couru après, moi, je, quand je l'ai partagée, j'ai partagé ma joie. C'est pas le fait qu'une chèvre euh, m'ait suivie parce qu'elle a entendu mon langage et elle a, euh, comment dire, elle a compris ce que je lui disais, <laughs> petit chakra à gorge. C'est surtout, je partage la joie que j'ai ressentie. Donc, la personne va ressentir de la joie, ok Donc là, l'idée, ça va être de vraiment, il euh, n'y a que des cartes positives, celle dont je me méfie, entre guillemets, c'est ça, parce qu'il va falloir réagir intelligemment. Donc, je vais demander au tarot, maintenant, ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qui est venu Le travail. Ah, très bien. Ah bah, coucou, je panier. On verra ça après. Alors, sur cette libération, cet envol, on a l'as de bâton, la liberté de pouvoir entamer de nouvelles choses. Alors, justement, bah, tiens, le travail, je l'ai rangé, parce que c'est un autre, un autre oracle. Enfin, une... Euh, euh, comment dire Ici... On a la formation, on a être sur la brèche, hein, être sur, euh, comment dire, avoir la cheminée mentale qui euh, comment dire qui, euh, qui tourne à plein régime, mais en vue de notre épanouissement, de notre sécurité, euh, de ce qu'on a envie de déployer, de ce qu'on a envie, l'énergie dans laquelle on a, on a envie de s'investir. Donc, ça peut être un domaine. As de bâton on peut parler d'une libération, notamment pour les personnes qui cherchent du travail ou qui veulent changer de travail. Il euh, y a cette, euh, comment dire cette ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous, vous apporter beaucoup de bien-être. Hein. La reine de Denis, elle représente aussi l'épanouissement. Euh, je pense que voilà, la période d'introspection est terminée. Maintenant, il est temps de passer à l'action, c'est-à-dire de décider. Et il y a un petit message aussi d'éviter de s'éparpiller. Commencez une chose à la fois. Et si ça concerne le domaine professionnel, là, il y a un nouveau démarrage qui, euh, qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est cool. Alors sur cette... Euh, cette reine et ce roi. Ah, alors attendez, parce que là, il va falloir que je sois stratégique en reculant, puisque la carte est tombée sous les roues de mon fauteuil roulant. Ok, on a donc un cavalier de coupe avec la papesse. Alors vous le savez, vous l'avez senti, là, ça peut être concret. Il va y avoir des signes, euh, il va y avoir de la discussion. Il va y avoir une ouverture aussi au niveau sentimental, au niveau euh, des relations, au niveau de. Euh, le, le cavalier, c'est celui qui passe à l'action. On a un valet ici qui a attendu une opportunité pour pouvoir s'exprimer, mais qui a peut-être fait preuve de beaucoup de. Comment dire De silence. Je ne dirais pas que ce sont les non-dits, mais qui a pu être secret. Mais là, il y a une ouverture au niveau euh, sentimental aussi. Alors, je vais voir quel domaine se déploie. Ouais, là, il y a les amoureux, le jugement. Ok. Allez, ce, ce bélier-là, qu'est-ce qu'il nous dit On a le monde. Ah, alors, à une carte près, j'avais parlé du cavalier d'épée, c'est la reine d'épée, donc la carte au-dessus qui est, qui est en tout cas dans le, en fond sonore. Oui, il y a une envie de clôturer un cycle. Il y a une envie de de faire taire des bouches. Il y a une envie aussi de... Enfin, en fait, dans, dans le monde, il y a tout l'environnement, euh, l'entourage et aussi l'observation, la prise de décision. Avec une reine d'épée, c'est très assertif. Hein. D'accord, j'entends. Euh, cependant, je ne partage pas le même avis. Voilà ce que je pense. Donc, la reine d'épée, de, de, elle ne va pas être dans la... Dans le, la senti... Enfin, comment dire L'assentiment pour plaire aux autres. Elle va pas être dans euh, euh, la, le sentimentalisme, à dire oh, la pauvre, c'est vrai qu'elle a passé une période difficile, je comprends qu'elle me parle mal, elle a besoin de déverser ses poubelles euh, sur quelqu'un et ça tombe sur moi, mais je vais faire preuve de sympathie, d'empathie et de compassion. Voilà, non, c'est Je comprends ce que tu peux traverser, néanmoins, le besoin que tu en parles est peut-être. Euh, Inapproprié étant donné que je n'ai peut-être pas les clés pour euh, t'apporter ce que tu recherches. Peut-être euh, as-tu besoin d'un professionnel de la santé mentale euh, Voilà, elle ne se sentira pas insultée. c'est pas insultant de dire à quelqu'un Tu aurais peut-être besoin de consulter un, thérape un, théra un, théra un thérapeute, un psychanalyste, euh, etc. Peut-être que tu as besoin euh, effectivement de discuter pour avoir des clés, mais. Euh, moi, dans ce que je peux t'apporter, à part une, une espèce de sympathie, euh, de l'empathie, voilà, parce que certaines personnes, quand vous coupez court, elles vont vous trouver euh, égotique. Moi, je me suis fait traiter d'égotique parce que euh, j'avais dit à une personne, bah, quand on interagit, je, je préférerais que tu sois poli, que tu utilises des formules de politesse. Une première interaction dans la journée, c'est un bonjour, ça commence par un bonjour. Voilà, donc euh, c'est une manière de dire, voilà, j'apporte du bon. À ton jour donc s'il n'y a pas de bonjour il euh, faut pas s'attendre non plus à ce que la personne soit pas bah, comment dire dans l'accueil euh, voilà c'est plutôt euh, tiens qu'est ce qui vient me prendre en fait donc moi je peux marquer aussi une sorte de euh, défense dans le sens où je vais protéger et bah, quand c'est trop quand c'est récurrent là c'est une même personne et euh, ça faisait euh, quasiment la dix ou douzième fois, enfin je, je voyais, je vois les noms hein, passer et euh, ça faisait la, la ouais, demi, euh, pff, je vais dire une quinzaine de fois quoi, que il y avait pas ce genre de, de dynamique. Donc moi j'ai préféré dire, euh, bah voilà, j'aimerais que quand on interagit, moi je dis toujours bonjour euh, quand je commence une phrase ou que c'est une première interaction avec quelqu'un et, euh, et quand elle m'a dit, bah c'est très égotique comme réponse, je dis bah oui, puisque l'ego c'est l'individualité, c'est le je suis. Ego, ça veut dire je suis. Donc si je suis rien et que je me définis par rapport aux autres, ben, en fait, je suis euh, les autres. Je ne suis pas moi-même, donc je ne me connais pas. Hein. Je ne peux pas euh, avoir une identité. Donc je vais être une béni oui oui ou une girouette, non c'est même pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Mon existence est juste surnuméraire, c'est juste un numéro de plus, euh, voilà, parmi tant d'autres. Euh, J'apporte rien, je me sens euh, inutile. Euh, L'utilité, blessure de trahison, hein. quand on veut être utile, c'est qu'on on ne on veut apporter justement ce, cette euh, utilité dans le monde. Pas que vis-à-vis -vis des autres. Donc l'entourage, et attention hein, parce que ça va être très marqué. Et voilà, le diable renversé. Pour moi, il y a une coupure de dynamique. C'est une bonne nouvelle qui est le diable renversé, puisque ça, ça peut correspondre aussi à l'énergie de l'arcane sans nom. Il y a une réussite dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous êtes en train de casser comme dynamique relationnelle. Euh, oui, c'est terminé. Les personnes qui vont user de leur charme sur vous pour obtenir quelque chose de vous et vous jeter comme une un mouchoir usagé euh, dès qu'elles ont fini de vous utiliser euh, là il y a quelque chose de profond il y a quelque chose voilà on a taureau on a capricorne c'est constructif c'est j'avais parlé de pérennité ben là on y est c'est-à-dire voilà ça peut se construire dans le temps l'héritage va être beau ça va pas être quelque chose on va pas hériter d'une dette euh, karmique maintenant on va hériter de quelque chose qu'on va pouvoir aussi transmettre je pense que dans la lignée familiale beaucoup de personnes sont en train de casser euh, certains patterns. Alors au niveau du masculin, je, je pense euh, le devoir au niveau de l'argent, au niveau euh, de la sécurité, au niveau de toujours être au top pour apporter euh, de la sécurité, du confort, il euh, y a un partenariat ici qui se dessine, hein, c'est-à-dire l'un et l'autre, il y a une équivalence. Donc euh, si vous êtes, enfin euh, que vous soyez euh, homme avec un homme, une femme avec une femme, euh, peu importe, il y a la dynamique yin-yang, et il y a la dynamique j'apporte, je reprends, enfin je je, je reprends aussi hein, quand ça ne va pas, mais euh, je vais euh, prendre le temps de réceptionner aussi. Voilà. Donc il y a une, une construction. Euh, en spirale, hein, des fois on a l'impression de tourner en rond, mais en réalité, si on prend conscience d'un pattern, si on change un tout petit truc, en fait au lieu de, de penser qu'on tourne en rond, en spirale comme ça, en fait, on va prendre conscience, euh, je vais plutôt le faire comme ça, voilà, du passé vers le futur, en fait, on évolue. C'est comme le soleil qui avance comme ça, et les planètes qui tournent autour, vous voyez Bon, là, je n'ai pas la coordination qu'il faut, je ne l'ai pas encore travaillée, celle-là, mais regardez comment fonctionne le système solaire, le soleil avance toujours, on pensait, en fait, moi, je pensais qu'il était fixe, je ne sais pas si vous, vous pensiez qu'il était fixe aussi mais je pensais que c'était une étoile fixe. En fait, non. C'est toujours en mouvement et les planètes, enfin, sont en, en évolution permanente autour du Soleil qui lui-même avance. Donc on avance, on avance. Ah bah le Soleil. J'ai parlé de lui. Alors il y a eu un travail sur. Euh, je vais les réinterroger. Il y a eu un travail sur la confiance en soi, sur le fait de devoir euh, euh, s'ouvrir à l'inconnu à quelque chose d'inédit avec le cavalier de bâton, à se lancer dans quelque chose d'étranger, donc non familier, donc non familial. Voilà, si vous avez vécu dans une euh, vous étiez enfant et vous aviez un foyer hostile où il y avait beaucoup d'engueulades, euh, des parents absents ou des parents euh, qui peuvent péter un cap pour un oui pour un non et vous marchiez sur des œufs, aujourd'hui, vous apprenez à vous avez établi un sol sécurisant, c'est-à-dire une solidité. Ça, je l'explique dans l'outil le, complétude. Donc, le sol est le, vers le soleil. Hein, et il y a ce côté stabilité. Donc, quoi qu'il arrive, que l'autre soit là ou pas, je suis en sécurité. Chakra racine, hein, beaucoup aussi. Donc, au cas ces dynamiques euh, on-off l'opportunité, route fortune, là il y a de la chance qui va s'inviter avec cette pleine lune en Sagittaire. Alors c'est un peu normal parce que le signe du Sagittaire est régi par euh, le souverain, c'est Jupiter. Jupiter arrive en Gémeaux, l'opposé du Sagittaire. Donc on va avoir des périodes comme ça d'extrême de, chance, j'ai envie de dire. Euh, notamment bah, durant cette pleine lune. Et très important aussi, nouvelle lune en Gémeaux. Donc ce sera le 6 juin. Ah, le 6-6, en plein portail, dis donc. Et on aura aussi, eh bien, dans six mois, hein, les six prochains mois, donc en décembre. Euh, attendez, je vais regarder. Je vais prendre mon téléphone. Euh, nouvelle lune, ce sera le 1er décembre. On aura deux nouvelles lunes d'ailleurs en décembre 2024. Le premier est le 30. Et la pleine lune sera... Donc pleine lune en gémeaux, ce sera le 15 décembre 2024. Voilà, donc pour le la petite... Information. Ok, on va regarder euh, ce qu'elle nous fait travailler cette euh, pleine lune et ce qu'on peut poser comme intention. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, poser des intentions euh, de nettoyer tout ce qui va être mémoire ADN, reprogrammation cellulaire. Euh, je sors la vidéo un petit peu en avance pour vous permettre. Alors, je, sais, je pense qu'il y aura des places parce que c'est un soin collectif. Euh, vous connaissez probablement Stéphanie Abellan. Euh, qui m'a euh, enfin, beaucoup accompagnée à mes débuts sur Instagram, euh, qui m'a permis d'avoir de, de, euh, d'ailleurs plus d'abonnés, euh, qui m'envoie toujours euh, ses jeux gratuitement. Elle me dit « mais t'es folle de payer, pour toi c'est gratuit euh, ». Voilà, donc a... c'est pas un accord commercial, hein, c'est juste notre sympathie mutuelle vis-à-vis l'une de l'autre. Euh, je... Si je vous parle de son travail, c'est que j'ai confiance en son travail puisque je vois, moi, au niveau individuel, les résultats que ça a pu donner. Et comme je ne me démarre pas plus de vous... Eh bien en fait, je pense que ça peut fonctionner pour vous. Il y a le 23, justement, à la pleine lune. Je vous dis ça, regardez quelle heure il est. J'ai regardé l'heure pour accélérer un peu la cadence. Regardez bien. Hop, 14h14. Donc j'ai... Euh moi, je me suis inscrite à un soin collectif, le 23. C'est notamment pour libérer tout ce qui est au niveau de l'addiction. Ça peut être l'addiction à une personne, ça peut être l'addiction à un pattern. Euh, parce que l'addiction, c'est le besoin, en fait, de consommer, euh, d'avoir cette chose. Donc, on n'est pas forcément que addict à la cigarette, à l'alcool ou à ce genre de choses, même si euh, c'est ciblé aussi là-dessus. Donc, ce soin euh, va aller chercher la racine, l'origine, l'événement originel qui, a fait basculer euh, le besoin, donc euh, besoin de, de, de dopamine, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de ma dose de l'autre. Ça peut être ça. D'accord? Donc là, vu que le diable est tombé renversé là-dessus, c'est la meilleure nouvelle, hein, franchement. Donc je vous en parle parce que ça me, ça me saute à l'esprit. Euh, voilà, j'ai aucun accord avec elle, hein, euh, financier, euh, euh, commercial, pardon, ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment euh, si ça vous appelle, si ça vous parle. Voilà, ça peut être euh, le moyen, justement, de se connecter à un égrégor collectif pour avoir le courage, pour avoir, euh, justement, la motivation. Et euh, voilà, je vous laisse aller voir, donc, sur son site web, les Médéores d'Anka, A-N-K-A-A. -A. Ok, c'est Stéphanie Abellan, A-B-E-2L A-N. Voilà pour le, le prénom et vous pourrez retrouver de toute façon ces informations. Sur son compte Instagram, elle explique comment ça fonctionne, donc elle expliquera toujours mieux que moi, parce que moi je, en plus je ne suis pas sa secrétaire. Donc euh, voilà, elle va me dire, j'ai entendu que tu as parlé de moi dans ta vidéo, t'es adorable, t'as un amour. Bah elle aussi, voilà, c'est vraiment une personne super gentille. Euh, voilà, je referme la parenthèse, mais je pense que... Ajouter une intention de réparer. Vous voyez, un ADN, hein, c'est comme un, un cheveu qui est fourchu. Enfin, moi, je le vois comme ça parce que ça m'aide à, à comprendre des notions qui outrepassent mes compétences cognitives. Mais euh, voilà, un ADN, euh, ah, je vais dessiner, ça va être moche. Enfin, non, ça va être. Euh, voilà, on va dire que c'est comme ça. Il y a des liens. OK Et quand un, un ADN est cassé. En fait, ça peut pas bien circuler. C'est un peu comme un chakra. Il y a une interruption ici. Donc, euh, ici, quand ça circule, enfin, je ne suis pas scientifique, hein, mais on va dire que là, vous pouvez réparer l'ADN. Ou alors coder. C'est comme un, un, un codage. Hein. Encoder quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, bah, dans ma, ma famille, euh, ce n'est pas que vous allez ignorer ou mentir en disant qu'il s'est passé autre chose, mais vous allez pouvoir dire, bah, au lieu de d'avoir eu les mauvaises cartes à la naissance, je vais plutôt encoder mon ADN pour casser cette dynamique de femmes euh, exploitées, euh, voilà, euh, de femmes... Euh, Est-ce que c'est un, un, euh, un trauma qui a pu se passer dans votre famille, euh, je ne sais pas, en, en, mille, euh, en 1910 voilà, va se transmettre, grand-père, grand-mère, peu importe, jusqu'à vous, parce que c'est inscrit dans la mémoire ADN. Donc, dans le transgénérationnel, il faut comprendre que l'ADN, vous pouvez l'encoder. Alors, il y a euh, un programme génétique euh, de base, euh, mais vous pouvez aussi, euh, voilà, notamment les personnes qui ont souffert de l'esclavage, les personnes qui ont souffert euh, d'abus, enfin, voilà. Donc, ça a pu produire un, un choc. Euh, Tellement grave que ça a modifié l'ADN. J'avais vu une émission comme ça qui avait euh, justement étudié euh, la mémoire transgénérationnelle des personnes qui vivent en Transylvanie avec, euh, en remontant jusqu'en je ne sais plus combien, je crois, 1400. Euh, là, j'improvise. Hein. Enfin, j'improvise. Je suis en pleine canalisation, donc je ne prépare pas ce type de vidéo. Mais euh, c'était par rapport à Dracula, donc Vlad Tepes, euh, je crois que ça se dit comme ça. Donc Vlad Dracul, euh, blason du dragon. Et, euh, et justement, euh, l'invasion des Ottomans à l'époque. Donc lui avait défendu son peuple, avait défendu son territoire. Et ça avait tellement marqué, justement, euh, la... On va dire le collectif que c'était encore inscrit dans l'ADN des personnes qui ont été euh, étudiées génétiquement à l'heure actuelle, en 2020-2024. Hein, je vous parle de ça, c'est sorti il y a quelques, euh, je ne sais plus, je l'ai vu passer sur Arte ce reportage. Voilà. Alors, angoisse et peur des schémas répétitifs et les schémas répétitifs d'angoisse et peur. Donc il y a une double comment dire, il y a une double corde qu'on est en train de travailler. En fait, on est en train de travailler l'origine et euh, l'arrivée. C'est-à-dire voilà, à l'arrivée, je suis angoissée parce que j'ai peur des schémas répétitifs et les schémas répétitifs de peur me font tourner en boucle. Donc là, on est en train de travailler ça collectivement. Okay Après à un niveau individuel, ça peut se marquer de bien des manières. Donc là, j'ai mélangé toutes les cartes, on va voir ce qui ressort. Alors, auto-sabotage. C'est marrant, 39, 40. Enfin bon, voilà. enfin, c'est pas marrant, c'est peut-être pas drôle, mais. Intention d'autrui et fuite des problèmes. La colère. Alors, c'est quelque chose d'assez récent. Une personne mal intentionnée. Les personnes euh, qui projettent leur colère, leur, euh, leur déception. Je pense aussi notamment aux, euh, aux carrières ratées, aux ambitions ratées euh, de certaines personnes euh, qui vont les projeter sur l'enfant, donc l'enfant que vous avez été. Et euh, il y a eu, euh, post-68, hein, la désillusion. Et du coup, euh, ce côté, il euh, bah, faut cravacher, en fait. Euh, voilà, faut manger son pain sec, il euh, faut aller au turbin. Voyez ce genre d'expression. De, qui collectivement induit que on sera toujours pauvre, qu'on sera toujours euh, dans comment dire dans une classe inférieure, dans, voilà il y a quelque chose de, de ce type là. Donc l'auto sabotage c'est une euh, réaction émotionnelle, c'est-à-dire au poison qu'on a à l'intérieur de soi et à la vision, ou au manque de vision justement qu'on a euh, quand on se dit bah, à quoi bon se lancer dans de nouvelles études puisque j'ai 50 ans et que j'y arriverai pas et que de toute façon à mon âge retrouver du boulot ça se fera jamais auto-sabotage donc après il y a une forme de euh, vous voyez que les gens vont répondre à cette énergie-là les angoisses, et peurs, donc l'autosabotage et vont réagir en adéquation ou se calquer sur cette vibration, c'est-à-dire soit vous fuir, soit euh, vous renvoyer l'image, donc amplifier l'image que vous avez de vous, de quelqu'un d'angoissé, euh, de quelqu'un de, je de, ne euh, sais pas, euh, oh mais de façon, tu es hystérique, tu es toujours en colère. Et la colère, elle est légitime, la colère, c'est une émotion. Quand elle est permanente, ça devient un sentiment. Et c'est là que c'est problématique, parce que c'est supposé rester un sentiment. Hein, quand vous êtes amoureux, ce n'est oh bah tiens, je ressens un peu d'amour là, ça passe ». Non, non, vous êtes amoureux. Quand vous êtes triste, en colère, c'est normalement une émotion qui est supposée être passagère. Mais en la prenant, lui disant « salut, hein, tu es en train de passer. Ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire D'où tu viens Pourquoi tu es arrivé Comment je peux euh, dealer avec toi Comment je peux faire avec toi ?» Et ensuite, on la laisse passer. « Allez, ciao, bye, bye. Merci, au revoir. Merci d'être passé. » Et ici, déception, voilà. Alors, sentiment de solitude moi, je pense qu'il y a eu... Euh... Ouais, c'est la déception vis-à-vis -vis de soi-même, la confiance qui est brisée, euh, parce qu'on a placé beaucoup d'intentions aussi sur l'autre, que la personne a fui ses responsabilités, parce que, euh, imaginons, quelqu'un vous dit, tu dois toujours, toujours hein, être là pour moi, pour m'aimer, pour, euh, pour euh, euh, me donner de, de tout, tout ce que je veux. Vous allez vous dire, oh, 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 on se calme là, imaginons. Hein. D'ailleurs, Stéphanie avait euh, utilisé l'image la, la, de l'assiette. Voilà, chacun a son assiette. Et quand quelqu'un vient piocher dans la vôtre, vous avez tendance. Hé, hey, mon assiette Vous voyez Donc, vous avez tendance à protéger. Donc, c'est pas forcément une fuite de l'autre personne, c'est plutôt la déresponsabilisation, c'est-à-dire chacun. Euh, se responsabilise, chacun prend ses responsabilités. Si une personne ne veut vraiment pas le faire, c'est peut-être parce qu'elle se sent agressée, peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur, ça ne dédouane pas la manière dont elle peut vous parler. Hein. Je pense qu'on peut faire preuve d'intelligence émotionnelle et se dire, bon là, là on va discuter, mais pour l'instant, je ne peux pas exprimer, moi, quand quelqu'un vient m'agresser, que je me prends ça en pleine poire. Euh, et que c'est pas l'heure, euh, voilà, que j'ai pas l'énergie pour, euh, que je suis fatiguée. Je vais dire, écoute, tu me permets d'y réfléchir un petit peu, et je reviens vers toi. Voilà. Des fois je ne reviens pas, c'est-à-dire je, je vais pas non plus euh, aller au... Comment dire, au... au... Enfin, là, je vais pas mettre ma tête sur le bio euh, euh, et dire, vas-y, euh, fais ce que tu veux avec, quoi. Non. Mais il y a un moment donné où on peut aussi se dire que l'autre est là pour nous donner une information. On prend l'information, on la traite de la meilleure manière qu'on puisse, hein, parce qu'on n'est pas toujours au top, et la personne n'est pas toujours au top. Et en fait, c'est là que on va euh, enlever ce sentiment de solitude. Ce sentiment d'être incompris. Hein, dans la solitude, il y a euh, le fait de ne pas être comprise, de ne pas être compris, euh, d'être rejeté aussi hein, avec la fuite des problèmes. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir tarir la colère et commencer à fluidifier, parce que derrière, il y a l'abondance bloquée. Alors, le moyen, la méditation, et derrière, on a le lien à la mère. Donc, la mère, euh, la maman, hein, pour celles et ceux qui m'écoutent, enfin, euh, qui me. Qui écoute comme à la radio. Okay Donc là, j'ai l'impression que justement, on va devoir, c'est pas qu'on va devoir affronter tout ça, c'est qu'en fait, on va poser les choses sur le, la table et se dire Mais pourquoi je suis angoissée Je suis angoissée parce que j'ai toujours peur que les personnes me fuient ou alors ne prennent pas leurs responsabilités ou aient de mauvaises intentions vis-à-vis -vis de moi parce que j'ai été déçue et que je n'ai pas encore libéré cette colère. Alors, maintenant, dans la dynamique, hop là, alors elle est partie se coucher, période de stagnation, famille et proche. je vous avais dit que ce serait dans la sphère, euh, c'était pas forcément, alors tout à l'heure j'ai dit euh, euh, Valoche euh, de la Conta. il euh, n'y a aucune, euh, je le précise encore, parce que j'ai pas mal de Valérie, d'ailleurs en, en abonnés, et je vous salue, euh, mais euh, voilà, comme tous les autres prénoms d'ailleurs, euh, c'est juste un exemple, d'accord, je ne vise, Personne. J'ai connu une Valérie à la compta, c'est pour ça que je dis ça. Et euh, bah d'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, elle était très... « Ah euh, Mais euh, moi, je suis là depuis plus longtemps que toi, donc euh, voilà, c'est comme ça que ça marche ici. » Je lui dis, C'est comme ça que ça marche ici, pour toi. » Moi, je viens d'arriver, on m'a embauchée pour que j'ai un regard neuf aussi sur les choses, sur les process, que je puisse apporter aussi euh, bah, ce que j'ai à apporter. Donc euh, voilà. Et euh, quand je suis euh, partie, elle était en burn-out. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, bah, je ne peux pas te, te dire au revoir et voilà. Et euh, bah, on est devenus pas amis, je ne vais, vais pas aller aussi loin. Euh, mais euh, voilà, elle m'a dit des choses très, très gentilles, très intimes, très, voilà, très touchantes aussi. Donc, vous voyez, euh, quand on, on ne fige pas une personne dans un rôle, elle peut se montrer sous un nouvel aspect. Des fois, euh, certains, euh, bon, ils challengent un peu plus, on va dire ça comme ça. Mais bon, allez, on y va. Alors, libération d'un blocage. Vous voyez la cage tout à l'heure qu'on a eue vous voyez, ce papillon, la métamorphose est, est faite. Peut-être que la cage, c'était juste une chrysalide, le temps que le processus se fasse entièrement. Et un processus requiert forcément de la patience. C'est comme une gestation, c'est comme toute chose dans la nature. Après l'hiver, vient le printemps. Et en fait, on a l'impression que c'est gelé, que c'est bloqué, que ça n'avance pas. On se sent prisonnier, prisonnière de notre situation. Néanmoins, ça pouvait être juste le cocon qui nous protège en vue. Euh, de, de parachever cette transformation. J'ai, euh, alors, 33, 32, 38, 30, 29. Il euh, n'y aurait pas un truc dans votre trentaine, voilà, quel, quel que soit l'âge que vous avez. Euh, si vous avez 25 ans, alors, c'est peut-être euh, une maturité hein, qu'on vous permet d'avoir, justement, par rapport aux choses, parce que euh, le collectif devient de plus en plus... Enfin, je trouve que les jeunes... Euh, Personnes euh, de, de 20 ans, 18 ans, même avant, sont de plus en plus précoces ou matures. Alors, la maturité et la précocité, ce n'est pas forcément euh, euh, en symbiose, mais j'ai l'impression que, voilà, ils sont plus conscients du monde qui entoure, etc. etc. Enfin voilà, c'est un autre débat, mais il euh, y a quelque chose au niveau de l'âge autour de la trentaine, année en cours croiser des chemins et on a retombé positive alors il va falloir laisser de côté ouais, des intérêts oubliés pour les disputes ouais pour les personnes qui ont envie de qui sont toujours dans les dramas qui sont toujours à t'as vu comment elle m'a parlé bah peut-être parce que tu l'as mérité je sais pas enfin je voilà non on va plus répondre en fait on est fatigué enfin je sais pas si vous ressentez ça euh, parce que je, quand, voilà, quand vous commentez, au moins j'ai une interaction. Parce que là, j'ai comme interaction juste euh, le mur et, euh, et voilà, et ma jolie déco. Mais je sais que je m'adresse à des personnes. Quand euh, on a de la fatigue, c'est aussi peut-être un tri énergétique. C'est-à-dire, je n'ai plus de gaz, je n'ai plus de, de, comment dire, de carburant pour cette chose-là. ce qu'on en a pour des choses qui nous passionnent, hein, même si on est très fatigué. Par exemple, moi, j'ai des nuits euh, assez. Euh, on va dire assez intéressante, puisque c'est des fois, je peux m'endormir à 21h, me réveiller à 3h du matin, être en pété le feu jusqu'à 6h du matin, et à 7h, il n'y plus personne. Hein, je referme, euh, voilà, je remets la viande dans le torchon, euh, et ensuite, je me réveille à 10h en sursaut, en mode, oh, qu'est-ce qui se passe Voilà, j'ai l'impression d'avoir sauté un jour. Le temps, en ce moment, est très bizarre. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais voilà. Donc, oui, il y a ce côté... Euh, J'aurai toujours l'énergie pour les belles choses, parce que même quand on est crevé, par exemple moi là, je ressens pas de fatigue. Je suis, euh, j'adore ce que je fais, donc euh, voilà. Mais quand ça me, quand je traîne de la patte, alors attention, c'est pas forcément de l'auto sabotage. C'est peut-être parce que ça n'a aucun sens de se lancer là-dedans, de persévérer là-dedans. Hein, si vous avez la flemme, parlez-vous déjà différemment, en vous disant est-ce que mon énergie investie là-dedans me rapporte ou me coûte Posez-vous toujours la question. Hein. On profite du dernier jour de Soleil en Taureau pour se poser la question. La Lune en Sagittaire va dire mm -hmm, alors attends, on va regarder si ça nous intéresse ou pas. Ah non Ah bah, oh, dommage Voilà, ça c'est très Soleil Gémeaux et euh, Lune en Sagittaire. Hein. C'est-à-dire de, de vraiment étudier, conscientiser, mais aussi s'amuser avec. Voilà, il y a une forme de, je, je le redis, hein, une forme d'espièglerie. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah, rupture, période de stagnation. Donc, c'est euh, par rapport aux personnes qui ont pu rompre. Euh, seconde chance a voulu sortir, mais là, il y a quand même un temps à part. Alors, famille et proches. Ah, guérison des traumas. J'ai failli lâcher un gros, gros mot. Mais euh, vous savez, ce gros mot de joie, quand on se dit bah, purée, hein, c'est pas... Hum, ah, euh, on va pas dire c'est pas trop tôt, parce que ça marquerait une frustration. Quand on se dit génial, c'est génial, même si ça arrive tardivement, on va montrer sa gratitude. Et eh bien là, on va montrer sa gratitude. Donc, libération d'un blocage, guérison des traumas. Le mot de tête, il hein, y a un truc qui veut sortir. Donc, on s'éloigne aussi, euh, libération d'un blocage et éloignement. Alors, de quoi on va s'éloigner Ouais, on va s'éloigner des. Pense de certaines personnes. De, je je l'ai dit pour le monde, le diable s'est renversé juste après. Donc, des, des dynamiques. Euh... Alors, il y a eu une période d'apprentissage. Dans l'année en cours, alors, année en cours, euh, j'ai envie de dire oui et non, hein, c'est tout le temps. Lien dit antérieur, d'accord. Confusion et doute. Sincérité, rencontre forte, famille, passage, peur, Ok. Donc, on est en train, effectivement, on est en pleine transition. Donc, il est extrêmement important euh, de rester vigilante, vigilant sur justement ce qui se reproduit. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément euh, une euh, fatalité ou euh, une punition ou une leçon, mais c'est plutôt, tiens, comment je pourrais réagir différemment Comment je réagissais avant Je m'énervais, je répondais vite, euh, je n'étais pas forcément dans l'ouverture d'esprit. Quand j'ouvre mon esprit, c'est-à-dire que je commence à visualiser ce que me dit la personne, je vais visualiser ce qu'elle ressent, je vais visualiser euh, ce qu'elle veut exprimer, je vais reformuler. Donc là, est-ce que de, de, je le reformule de la manière dont je le comprends Vous allez voir, vous allez éviter des malentendus. Vous allez renvoyer la sauce à la personne qui a essayé de vous éclabousser. Vous allez en fait vous préserver davantage et vous sentir valable à la fin de la journée. Parce que quand vous répondez d'une certaine manière, la personne dit Ah, tu vois, tu vois, t'es hystérique. Et voilà, ça, ça a été mon propos. Euh, moi, je trouve que t'es hystérique. Euh... En fait, vous allez. À la fin de la journée, quand vous vous couchez, vous vous drapez, hein, comme on fait son lit en se couche. C'est-à-dire, bah, je me drape avec ma dignité ou ma honte. Vous voyez Ma culpabilité, ces sentiments indignes, d'être indigne, d'être pas reconnu, d'être, vous voyez, euh, une, une, un moins que rien. Donc, non, ça, c'est terminé. On se couche plus avec, hein, comme on fait son lit en se couche. Moi, je vois l'expression euh, de deux manières différentes. Ce sur quoi je me couche, je, euh, ce. Ce sur quoi je me couche, donc ce sur quoi je me couche, c'est ce avec quoi je m'endors et je vais euh, pendant 8 heures dormir dessus. C'est-à-dire que je vais me coucher avec, euh, donc l'autoriser dans ma vie, et le subconscient, hein, si vous couchez avec vos problèmes, vous ne vous réveillez pas avec la solution. Vous allez, le subconscient va dire ok, plus de problèmes. Si vous couchez en vous disant bon, il y a quelque chose, euh, moi j'ai une formulation euh, bien précise. Donc en posant une intention, je vais formuler d'une façon très claire pour que le subconscient travaille dessus pendant ces 8 heures de sommeil. Alors en ce moment, c'est particulièrement challengeant, comme je le disais, on dort quand on peut. Hein, si vous êtes victime d'insomnie, n'y voyez pas quelque chose de, de ⁇ oh mon dieu, je vais rater le train ⁇ Non, dites-vous, ok, c'est comme ça. Et dès que je me couche, même si c'est euh, euh, une petite sieste euh, d'une de, heure, deux heures, posez des intentions. Mettez de la musique à taux vibratoire, ça va beaucoup aider à nettoyer. Même si vous n'arrivez pas à dormir, ça fera quand même le taf. Voilà, je le dis pour euh, euh, la vidéo de la pleine lune. Maintenant, je pense que pour certaines personnes, il va falloir s'exercer. Donc faire des exercices, répéter, parce que euh, voilà, on a la montagne. Ok D'ailleurs, il y a des initiales. Attendez que le téléphone. Voilà, il y a un C et un M. Ouais. <laughs> Community manager, voilà. Les euh... initiales de mon grand-père. Voilà. Je, je... Alors, c'est joli ce qui se passe. Ici, Kiro en bélier, Mars en bélier va nous donner la volonté avec le nœud nord de justement transcender. Regardez. 2 plus 1, 3, 3, 3. Voilà. Donc va nous donner la volonté de s'affirmer, de se montrer euh, comme le, runa le le oh là là, il est temps que je prenne un café, euh, comme le runard, le renard rusé. Vous voyez, j'ai voulu mélanger les deux mots, rusé comme un renard, de se montrer euh, comment dire euh, futé. Voilà, j'ai j'ai vraiment ce mot futé de s'éloigner. Vous voyez, en fait le renard, bon, même si euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, là, il y a un poulailler. Euh, le poulailler va représenter les, les piafements, euh, les volatiles, euh, la basse-cour. C'est-à-dire, euh, vous savez, quand on dit euh, euh, c'est la basse-cour et tout, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Euh, c'est les cancans, ça peut représenter aussi les potins. Les oiseaux hein, euh, représentent euh, le piafement, le pinaillement, euh, euh, l'énergie euh, très volatile, très, comment dire, éphémère, mais. Euh, vous voyez hein, Des fois, on fait. Genre, ferme ton bec. Ferme ton bec, d'ailleurs, c'est un bec d'oiseau. C'est pas un bec. Euh... Ah, ça peut être un bec de lièvre. Non, non, c'est pas ça. Donc, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on s'éloigne justement de toutes les médisances, les cancans, les potins, euh, ce qui n'est pas euh, à la mesure de ce qu'on se souhaite ou de ce qu'on souhaite vivre énergétiquement. Il euh, y a aussi le côté. Euh, Ouais, anecdotiquement un jour j'avais parlé dans mon sommeil, j'étais en stage sportif, donc euh, on avait des dortoirs, et euh, j'ai dit en dormant, euh, maman il y a un renard dans le poulailler. Et euh, le lendemain, ma mère m'appelle pour dire, il bah, y a un renard qui a fait un trou, hein, qui a passé le grillage et qui a euh, <coughs> décimé... Euh, voilà. Donc ma mère pleurait, elle était euh, vraiment à euh, attachée aux animaux, enfin aux, aux animaux, je devrais dire aux autres créatures. Voilà. Euh, Sentientes, qui ressentent des choses. Donc, euh, ouais. Et euh, je, je lui ai dit, bah, là, euh, en plus, il y a des gens qui se sont moqués de moi. J'aurais dit que c'est vraiment arrivé. Donc, je ne sais pas si j'en ai rêvé. Euh, je, je sais juste qu'on m'a reporté, que j'avais dit ça en pleine nuit. Et euh, bah, le lendemain, voilà. Enfin, le matin, au matin, ça s'était confirmé. Il euh, y a une notion encore de temps, de rouage avec Saturne hein, qui met en place ces choses, de trouver la bonne direction. Le moyen et la direction. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a Voilà, on sort du pattern. Là, on a l'affirmation de soi, l'autorité. Ça peut représenter aussi quelque chose par rapport aux parents et par rapport à quelque chose de répétitif. Ici, euh, la verge et le fouet vont représenter, euh, on va dire, la, le côté répétitif, le côté dispute, euh, le côté... Euh, pas bah, karmique, hein, voilà, cause à effet. Donc là, on brise la cause, l'effet ne peut plus se reproduire. Ok Allez, pour finir, sentimentalement, ok, donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, on finit par euh, avoir juste des confirmations, mais voilà, pour moi, c'est déjà, tout a été dit, hein, déjà. Alors, on a, allez jusqu'au bout des choses, fidélité, qui est ressorti. Ah, on ne veut plus, justement, quelque chose de superficiel. Regardez, il y a un non. Hein. C'est-à-dire, non, ce ne sera pas superficiel. Ça va être stable. Mais il va falloir aussi être en adéquation. Et peut-être, euh, dans votre discipline interne, hein, euh, la mise en place de ces pratiques quotidiennes, il va falloir être, justement, euh, discipliné. C'est-à-dire, mettre en place des choses euh, bah, concrètes, solides et. Euh, qui pèse, en fait. Hein, si, si voilà, si, si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est comme une routine. Euh, vous faites du sport, voilà, c'est une gymnastique. Vous faites du sport une fois, vous allez sentir des courbatures le lendemain et vous allez euh, euh, persévérer, c'est-à-dire passer outre cette, le résultat de, de ce que vous mettez en place, même si c'est dur parce que c'est pas familier. Votre corps il va dire oh, oh, oh qu'est-ce qui se passe Mais en persévérant, en posant l'intention, euh, en visualisant le résultat. Par exemple, un, comment je pourrais le dire, euh, un, un, un torse plus plus, plus, plus saillant, euh, des bras plus conséquents pour ces messieurs, euh, peut-être des cuisses plus plus fermes pour mesdames, euh, les bras, les sous bras, là, vous savez, près, de, près des aisselles. Euh, moi, c'est euh, voilà, quand je fais des exercices, j'ai toujours des poids. Je les mets à mes bras. Et en fait, en bougeant juste mes bras, quand je cours, pareil, je mets des, 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 petites, euh, des petits trucs. Euh, vous pouvez les construire avec juste du sable. Hein. Vous prenez euh, un tissu, vous, vous, voilà, vous, vous improvisez. Euh, ça se vend euh, très bien chez Decathlon et tout ça. Mais en fait, vous allez pouvoir travailler plein de choses en même temps. Sauf que le lendemain vos bon, bras vont vous le signifier. Quand j'ai déménagé, c'est la dernière fois que j'ai fait euh, un sport aussi intense et violent sur un effort très court. Euh, j'ai porté la machine à laver, j'ai posé l'intention. En fait, j'ai vu euh, The Rock. Vous voyez l'acteur, le, le, enfin l'acteur ancien MMA et tout. J'ai visualisé sa musculature et je me suis dit, je peux le faire. Alors, je suis un déménageur breton, c'est bon, je le fais. Et mon petit frère m'a dit, mais attends, mais je porte rien. Là. Je suis juste en train de la, la, <laughs> la tenir. Et je dis, vas-y, 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 continue, continue. Il m'a dit, mais tu as quasiment porté 65 kilos de machine à laver. Euh, parce que j'étais en bas, en fait. Donc moi, je la soulevais et lui, il la tenait. Et il m'a dit, je suis juste en train de la tenir. Je suis pas en train de la porter. Et je me suis dit, euh, quand même, alors que j'ai des poignées de la taille d'un enfant de 12 ans. Donc euh, je me suis dit, bah quand même, euh, voilà. Mais en persistant, ça a relancé d'ailleurs ma volonté de faire quelque chose de... de voilà, de discipliner des petits efforts, mais réguliers. Parce que quand je fais des grands efforts, après, ça retombe. Ensuite, il faut que je me remotive, etc. Et c'est ça aussi le on-off. Hein. Dans l'atelier Susciter l'amour et l'engagement, j'explique aussi ce que cette dynamique peut faire en effet domino sur vos relations, sur le comportement des personnes vis-à-vis -vis de vous, parce que c'est directement associé à ce que vous mettez en place. Donc là séparation avec quoi à l'addiction parfait et on va vers plus de sincérité fidélité intégrité voilà mais il va falloir reconnaître en fait c'est ça le truc c'est que euh, par exemple dans le dans la conscience de soi il y a l'honnêteté si on se dit mais non euh, c'est pas du tout euh, bah, vous voyez c'est on a on a éteint le truc en fait alors naissance Vie projet, vie commune, on a l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Et ici, ah, donc, ouais, en synthèse, c'est bien l'addiction, les dépendances malsaines. Donc, ça peut être dépendance affective, ça peut être l'alcool, ça peut être euh, bah, tout ce qui va être. En fait, tout ce qui suscite de la dopamine, c'est-à-dire euh, euh, les films caractères, euh, euh, on va dire, euh, euh, X. Voilà. Euh, tout ce qui va être aussi euh, le sucre, tout ce qui peut être aussi euh, les réseaux sociaux. Il hein, n'y a pas que l'alcool, euh, la, la drogue, etc. En fait, c'est vraiment le même mécanisme. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une dose rapide. Et sur le coup, ça va être efficace, mais ça va s'éteindre presque automatiquement. Donc, il nous en faut encore. Il nous en faut encore. Alors que, voilà, dans les hormones, je pense qu'il y a aussi un travail hormonal et euh, poser les intentions, par exemple. Alors, je ne suis pas médecin. Euh, pour des bilans hormonaux, homme ou femme, hein, faites-le, ça vaut le coup, parce que avec tous les perturbateurs endocriniens qu'on se tape, euh, le maquillage, par exemple, j'ai lu que le maquillage waterproof et le rouge à lèvres, qu'une femme pouvait, qui met du rouge à lèvres fréquemment, pouvait manger jusqu'à 3 kilos euh, avec des perturbateurs endocriniens, avec euh, des produits toxiques, etc. Euh, allez. Vers de la cosmétique un peu plus éthique, bio, etc. Moi, je, je, pré je préconise pas, euh, j'ai aucune affiliation avec elle, mais je sais que Gaëlle Garcia-Diaz, donc une youtubeuse cosmétique, a fondé sa propre société de cosmétique. et elle est très, très à cheval là-dessus, euh, sur les composants, sur. Euh, voilà. Parce que, euh, par exemple, dans le mascara waterproof, voilà, avec les sécrétions, hein, euh, les larmes et tout ça, enfin, tout, tout ce qui va être. Euh, au Niveau lacrymal, ça va effectivement ensuite passer dans votre corps. Les cellules de peau, elles absorbent aussi, donc forcément, voilà. Homme ou femme, hein. moi je vois des hommes mettre de la crème, se, euh, se passer du coton avec un nettoyant visage, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant parce que on est tous composés de la même chose. Donc voilà, alors tous, tous, hein. ok. Allez, pour terminer, euh, ce que je pense que les messages sont passés, pour moi, il y a, il y a, la, il y a vraiment la fin de, de quelque chose qui n'était pas adapté, d'accord Ce qui va vous aider, c'est de mettre fin, n'y voyez pas, il y a un résultat, le résultat, il est là. On est dans une période de détachement, de lâcher prise, euh, à court terme, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut faire de la place énergétiquement, donc par exemple, si vous refaites votre déco, qu'est-ce que vous faites vous videz la pièce, vous peignez les murs, vous bâchez le, le sol pour éviter les taches de peinture et tout. Et ensuite, vous remettez soit les meubles, soit vous en mettez des nouveaux. Qu'est-ce que vous faites des anciens Soit vous les repeignez. On peut faire du homestaging aussi. Hein, euh, euh, voilà, comme dans Recherche maison ou appartement avec Sophie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui disait ah, ben, Je vais faire du homestaging, ça je vais le repeindre et tout. On ponce, on repeint. Voilà, c'est un nouveau meuble. Alors que c'est le même, mais c'est customisé adéquate à la personne que vous devenez hein, une chambre d'enfant elle évolue euh, euh, voilà au début c'est une chambre de bébé et puis ensuite euh, moi je me souviens il y avait la déco de cars euh, dans la chambre de mon neveu il voulait un lit en voiture là euh, mon frère c'est bon dans deux ans il va changer donc euh, après ce sera quoi <laughs> j'ai pas le budget donc voilà mais en tout cas dites vous c'est toujours un permanent ça change et vous pouvez toujours réadapter la même chose alors je, pro, euh, je prépare justement quelque chose à ce sujet qui sera en vente sur ma, ma boutique. Euh, ça vous permettra, euh, par exemple, au lieu de prendre une séance... Il y a une personne qui m'a dit que je faisais beaucoup de pubs pour mon travail, j'étais là « bah quand même, <laughs> heureusement. Mais euh, en fait, si par exemple une séance n'apporte pas ce que vous recherchez, y a, parce que euh, voilà, je ne peux pas tout synthétiser. Si vous prenez une heure, si vous prenez une demi-heure, je ne peux pas tout synthétiser. Euh, voilà, il y a quand même une partie euh, carte et une partie explication dans le coaching, par exemple. Mais là, il y a des fascicules qui vous aident à travailler sur des thématiques bien précises. Donc voilà où je condense euh, les connaissances, les moyens, les outils, euh, les connaissances que vous pouvez ensuite déployer à travers des vidéos YouTube, à travers des livres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web parce que je ne propose pas que des euh, séances de avec les cartes. J'ai aussi d'autres moyens de vous faire conscientiser des choses. Voilà. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a ici comme message La justice, la loi du plus fort de la plus forte et du de la meilleure à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi avec confiance à en recevoir la décision finale. Euh, la résolution est proche. Tiens bon, tu seras soulagé. Visualisez-vous soulagé, parce que bientôt, c'est bientôt, c'est plus tard. Je voudrais bientôt un poulet, s'il vous plaît. Le serveur, il ne va pas trop forcément comprendre. Hein. Euh, je, un jour, je vais réécrire. Et toutes les cartes, parce que je, je l'ai dit, hein, les formulations négatives, le subconscient, il ne comprend pas la négation. Donc lui, il va entendre problème. Il va entendre bientôt. Il va entendre tourmente. Sans, il va entendre crainte. Il ne va pas entendre sans crainte, il va entendre crainte. Voilà, je petit aparté que je referme. Les amis, je vous souhaite tout le meilleur pour cette pleine lune. Posez bien les intentions. N'hésitez pas à aller regarder sur mon site web ce que je propose parce qu'on n'a pas tous le même budget aussi. Donc, je propose des choses euh, assez, euh, assez élargies pour euh, que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, je suis dispo à partir de la semaine prochaine. Là, l'agenda est complet cette semaine. Et il euh, y a des choses aussi sur lesquelles je voudrais avancer afin de vous proposer encore plus de belles choses. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse belle pleine lune. Et on se retrouve très très vite pour d'autres tirages et d'autres vidéos. En attendant, il y a Patreon, il y a Facebook. Facebook, j'y suis pas beaucoup. Hein. Je, vous, je vous le dis, cette plateforme, les Grégor est très dégueulasse. Euh, pas vous, mais euh, vraiment euh, sur Facebook. L'idée de Facebook même est pas très saine. Je préfère Instagram, même si ça a été racheté par Facebook, enfin par le groupe Meta. Et euh, Patreon, en tout cas, où les contributeurs, euh, voilà, moyennant quoi un abonnement, ont des messages encore plus inédits et réguliers et on travaille sur pas mal de choses. Vous avez des avantages exclusifs par rapport au site web. Donc pensez-y si ça vous intéresse. Voilà les amis, je referme la parenthèse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao <music>